Et bonsoir à tous, et bienvenue chez Mayana sur PSUODCTV comme tous les mardis. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté, après un joli et magnifique écran de Game Over, comme vous pouvez voir. Je sais, il est très 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 classe. Je vais, ceci dit, espérer finir le jeu cette fois-ci, ça serait bien, ça serait pratique, et ça serait un peu moins intimidant pour moi, hein. Ça serait cool que ça soit réglé une bonne fois pour toutes, ce foutu jeu. Surtout que j'ai pu re-régler ma manette par rapport à la dernière fois. Donc il y a des chances que je puisse enfin faire mes foutues diagonales. Donc on y va, les enfants. Et on peut déjà voir que je peux utiliser mes diagonales. C'est magnifique. Wow, c'est magnifique, je me prends un coup dans la gueule. Voilà. Et on peut faire ça par exemple, on peut bouger à ras du sol. C'est tellement beau. Espérons que cette fois-ci j'y arrive. J'y arrive que dalle. Allez, mieux en mieux. Purée, je fail dès le départ. Et du coup, voilà, en frappant en diagonale, ça facilite énormément le jeu, comme vous venez de voir. Bon, ça va me changer la vie. Hop. Allez. Voilà, j'ai pu prendre ce que je voulais. Parfait. Voilà. Avec 4 petits points de vie, ça va être showtime. On se concentre, on y va tranquille. Oh, j'ai rien dit. Ah. Ça tombe bien. Hop là. La bourde. Très très jolie bourde. Allez. C'est bien, ça se passe tranquille. Voilà, ça c'est fait.
Hop. Oui, c'est une méthode de lâche, mais j'assume. Hop là. Hop. On continue tranquillement notre chemin. Hop là. On continue tranquillement notre chemin. Allez, on se la refait encore une fois. Ça serait bien que j'avance quand même. Hop là. Tellement motivé que je prends 3 ennemis à la fois. Allez, ça c'est fait. J'ai même pas eu le temps de lancer une hache, monsieur. Ça tombe bien, ça m'arrange. Pas plus, on s'en débarrasse tout de suite. Je me demande même pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ. C'est pareil, je vois même pas. Wow, wow, wow. Je crois qu'on peut le dire à force que cette partie-là est maîtrisée. Clairement. Alors, il va y avoir une petite interruption de stream. Excusez-moi. Hop là, voilà. Non, mais qu'est-ce que je fais moi? Je saute carrément dessus. On va y arriver. J'ai eu de la chance. Là, je le cache pas du tout. C'est pas passé loin. Par contre, celle-là, elle m'est carrément passée devant. Ah, mais fous-moi les conneries de bestioles. Voilà, on y va tranquillement. Osez-moi. Allez, voilà. On va juste chercher cette option. Il faudra quand même un peu mieux que ça, mais... En fait, le boss de ce niveau, il faut de la de mémoire. Si je me trompe pas. Du
de l'eau bénite. On n'y va pas, on attend tranquille, on se presse pas. À la peine que je cours si je me fais tuer. Voilà. Allez. Ça sera toujours mieux que rien. Allez, on passe tranquille. Yes. Eh, que dalle. Allez, on y va. Ça reste pratique. Ah, purée. Voilà. Là, la petite vie qui vient d'arriver. La chauve-souris qui n'est pas passée loin. Purée. Allez, allez. Ah ben là, ça n'a pas été glorieux. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas été jusqu'ici. Hop, on va à la pêche. On se la joue sécurité. Ça tombe bien, c'était juste un couteau. Ça, j'ai voulu être trop pressé, ça m'apprendra. Mais le jeu est sympa, il me met au bloc 8-2 directement. Alors nous aussi on va être sympa. Non, ça va pas. Ah, du coup j'ai perdu quelques options quand même qui étaient très sympas. C'est très dommage. Oh. Allez. Thank you.
Allez, c'est passé. On sait pas trop comment, mais c'est passé. Plus qu'à choper la bonne rythmique. Go. Je sais même pas pourquoi cette potion est là. Croix de combat, allez, on se la garde. On est pas mal. Voilà. Hop. On prend aucun risque. On se la joue safe. Ah, on va essayer au minimum. J'aimerais bien que la gougou tombe. Voilà. Et comme d'hab, je l'aurais gardé 30 secondes. Et voilà, d'un seul coup, mais regardez comme ça me facilite la tâche. Le fait d'avoir les diagonales activées. Ah, bonheur. Choix. Du coup, sur une partie où j'en chiais vraiment, je peux le passer tranquille, Milou. Et rien que ça, c'est du luxe. Rien que ça, c'est de la joie. Vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas mis la webcam, mais un sourire illumine mon visage actuellement. Hop, hop, hop. Et là, franchement, c'est vache parce que c'est hasardeux. Mais on va finir par passer ce niveau. Hein. Non mais partez pas, hein. je vous montre pas. Hein. On va vraiment finir par passer ce niveau. Cette fois-ci, on va essayer de faire moins le con sur les deux premières parties. Ça m'arrangerait énormément. Elle est pas passée loin, la plateforme. Voilà. Mieux. Hop. 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 Vous pouvez mettre n'importe quelle musique d'ascenseur hein, en attendant, hein, parce que le temps que j'arrive à me dépatouiller de ce truc. Hop. Voilà. Parfait. On
continue tranquillement. Ah oui, je l'avais bien la montre, tiens. C'est facile et pas cher. Hop là. Hop là, voilà. C'est pas mal, on va y arriver là. Bah ouais, mais tu dis à peu près la même chose à chaque fois que tu fais une tentative. Bah, je reste un petit peu positif, on va essayer. Et voilà. Ouh. Allez. Je tiens à vous signaler quand même que j'ai passé le tableau précédent sans me faire toucher pour une fois. Je crois que ça mérite des applaudissements. Oh, je l'avais oublié ça. Bon, ça se passe à peu près bien. Ah tiens, la montre ne marche pas sur les plateformes mobiles. Balou ça. On a récupéré la croix de combat. Hop. Là-dedans, il y a le couteau, je l'ai mémorisé. Il n'y a plus qu'à continuer notre chemin peinard. Tranquillement. Allez, la vie est récupérée. Putain, je pense. Celui-là, j'ai bien fait me le bouffer. Et c'est passé, magnifique.
Et je me tape le gros. Allons-y. Ah bah il a pas été trop dur pour une fois. Mauvais jour, créature. Et la petite pote classe pour finir. Allez, un niveau de plus de fini. Alors, allons-y. Et on continue de remonter. On va y arriver. De l'or, de l'or. Aïe. La musique de ce niveau est géniale. La salle des trésors de Dracula, tu sais pourquoi il vit comme un roi maintenant? Aïe! Dommage, bien raté, j'ai bien fêlé mon coup. Oh punaise. Allez. Oh putain, il a failli me faire sortir ce con. Wow, ça a été juste. Parce que le fouet est pas assez long et j'ai raté encore un beau paquet de bonus. On parle d'un cumul. Hop là. Ah, au fait, la chauve-souris, prends ça dans ta gueule. Putain, la chauve-souris dans la tronche. Olé. Non, ça m'embête parce que j'avais quand même une croix de combat avec deux... Ah, bordel. Bonsoir, crucifix. Comment vas-tu et bienvenue. Tiens, un squelette suicidaire, pourquoi pas. Non mais t'as quand même... Mais t'es shit toi. Hop là.
Hop là. Ah, parfait. Toi, tu t'es mis là où il fallait, et moi, je me mets comme un con là où il faut que tu me touches. Et j'ai pas réussi à choper le plateau. Tant pis. Aïe. Hop. Ah, hop, on fait péter le sol. Une arme spéciale de récupérer, c'est ça de prix. Allez, hop. Ah mais, c'est le pio. Reviens. Non, parce que si on s'amuse tous les deux à jeter des trucs... Hop, magnifique. Allez, ça c'est du nettoyage. Ça aurait pu me laisser une vie dans le mur, hein, tant qu'à faire, mais bon. On va pas faire la bagel. Quand même pas trop mal. Hop là, on va préparer. Voilà. Hop. Et hop. Alors, hop, hop, purée, dégage saleté, vache, pas passé loin celle-là. Oh, le fail. Dommage. Ah. Alors, Crucy, je pourrais pas te dire si c'est chez toi, vu que pour le moment, t'es le, peut-être le seul viewer. Voilà. Est-ce que c'est un niveau où je vais pas trop fail pour une fois? J'adorais aussi cette musique. En fait, ce jeu a tellement de musique mythique. Juste de la folie, quoi. Non, je veux pas mourir noyé dans de l'or. Je veux bien faire comme Picsou, mais j'aimerais éviter de mourir dans de l'or. Blablabla. Allez, on y va. Thank you.
Hop là. Voilà. Eh ben c'est pas trop mal pour le moment. On va voir si je peux finir le jeu ce soir. Hop là, surtout qu'on est plus très loin. En plus. Voilà, lui c'est fait aussi. Un emmerdeur de moins. Il y a tellement d'or. Il y a tellement de pognon. Et comme d'hab, j'ai pas pris la voie où il y avait le plus d'or. Lui, il va me poser problème par contre. On va essayer de l'avoir comme ça, et qu'autant. Pognon. Argent, argent, argent. C'est bien le pognon. Yo! Hop là! Allez, touche. Pognon. Pas de purée. Lâche en double coup, pourquoi pas, ça va m'être utile. Le boss de ce niveau étant un peu aérien, la hache va pouvoir m'être très utile. En parlant de boss, le voilà. Bonjour, c'est l'inspecteur des impôts. Vous avez pas déclaré tous vos revenus? Black. Et voilà. C'était la classe. Niveau, j'en ai pas trop chié. C'est vraiment le niveau des égouts que je détestais sur ce jeu. Comme vous avez pu voir, galérer. Mais là... Voilà. Allez, on arrive sur la section finale. Et la section finale, elle fait mal. Très mal. Ah non, il y a un avant-dernier boss, pardon. Enfin, un avant-dernier niveau. Ah, puis la musique, là. Mais ce jeu, je me lasse pas d'écouter sa bande son, c'est tellement magnifique. Tiens, c'est du cul. Ah, l'abruti.
Allez mon petit là-haut. Voilà, c'est bien. Je suis désolé, mais ces musiques, elles ont tellement... Elles étaient tellement épiques. Yeah. Yeah. Oh yeah. Moonwalk. Eh oui, je monte en moonwalk. Yeah. Hop là. Allez, on continue notre petit chemin. Yo. Toi, là-haut, tu dégages. Hop là. Allez. Toi. Je joue la sécurité. Allez, tranquille. Allez, allez, ouais, je déteste ce passage-là. Il y a une chance sur deux en général que je passe pas dans par terre. Yo. Hop là. Bon, pour moi, je m'en sors pas trop mal pour le moment. Par ce foutu niveau des égouts. Oh putain, ça va pas y passer loin. Tabernac d'Hostit Caliste Calibou. Hop là. Ok. Ah, je m'en rappelais pas de ça. Le coup du truc énorme qui nous tombe sur la gueule. Et que j'ai attendu comme un con pour bien qu'il me défonce la tronche au passage. Trois de combat. Ah oui, bah là ça me parle mieux là. Voilà, on prend pas de risque. Yo. Hop. Ah bah non, pas hop. Taxi. Alors je m'applaudis moi-même. Quoique non. Putain de merdier. Oh merde. Alors là je crois que c'est très con ce qui m'arrive. Allez, prendre des dents. Voilà. Putain, je rock ce soir. Ah. Presque. Avouez que ça aurait été beau. Allez. Taxi. Hop là. Aïe. Hop. Hop là. Bien. Allez, au tour du boss.
Oh, magnifique. Oh, merci. Oh, le cadeau. Ah, merde. Allez, 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 allez. Wow, un point de vie. Ben, je crois que ce fut de toute beauté. Hey! Ah, pose originale. On aurait dit qu'il fait une chorégraphie, hein. Et voilà, le stage B. On ira toujours en sûreté, hein. Bien sûr, c'est à ce moment-là que je me fais déboîter la gueule. J'y vais en sûreté. Bon. Tiens, prends ça dans ta tronche. Bon, ben, tant pis. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Voilà. Mais qu'est-ce que je le déteste, ce putain de niveau. Et là, on est enflé. On se fait buter comme un rien. Merci les cadeaux, c'est sympa. Ah, merde, le fouet est trop court. Ouh là 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 là, piège. Eh punaise, pas été assez vite. Là c'est une purge quand le fouet est devenu beaucoup trop court. Ah purée, voilà que je me déconcentre. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça. Voilà, parfait. On va y arriver un peu plus facilement. Hop. Non, sans déconner. Et là, t'as pas le choix de mourir. Dur, dur.
Bon, ben ça c'est fait. Et un nouveau game over. Oh. On va tâcher de faire moins. Voilà. Ah, parfait, ça c'est fait. Bon, on n'a plus qu'à courir. En même temps, Simon Belmont, tu m'étonnes qu'une chauve-souris te course. En train de détruire la moitié de leur habitat naturel à chaque fois. Donc oui, elles doivent en vouloir un petit peu à la fin. Le suicide. Allez, ben ça c'est beau. Ah, c'est magnifique. Quand on y pense, heureusement qu'il y avait les continues infinies sur ce jeu. Parce que purée, et le nombre de fois où je meurs régulièrement. Allez. Hop, la petite triplette d'escalier qui va se faire facile. Hop. Bah, magnifique. Sans déconner. Et on voit la jolie petite roue crénelée qui monte, qui monte, qui monte. Hop, hop, hop. Allez. Ouh ! Ça pardonne pas les erreurs dans ce niveau, mais ça pardonne pas, mais d'une violence. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu passes par le chemin le plus compliqué au début, alors qu'il y a plus facile? Bah c'est simple en fait, si vous voulez la deuxième étoile du matin qui rallonge votre fouet beaucoup plus, ça dépend du nombre de chandeliers que vous avez brisés. Et donc il me faut plus de chandeliers pour augmenter la taille du fouet. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est du vrai Die and Retry, là. Hop. Hop, 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 c'est bien, ça avance. Hop, 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 hop.
pas le temps d'aller chercher l'option. Allez, balance-toi plus vite que ça. Si tu tiens ta vie, Pépito. Putain, je l'oubliais celle-là. Allez, on y retourne. Voir ce qui est là, un cœur, c'est toujours bon à prendre. Allez, on trace le pont qui se détruit. Comment se prendre un coup gratuit? Allez, c'est parti. Alors, ce truc est juste un truc de bâtard. Ouf. Dans le genre, faut pas t'endormir sur la manette, ça se pose là. Allez, allez, allez. On s'endort pas, on y va, genou flexion et tout. Ouah. Allez, on est parti pour le marathon des boss. 4 boss vont nous attendre et ils vont nous faire mal au cul. C'est moi qui vous le dis. Le premier est assez simple. Donc on se contente juste de le toucher quand il revient à sa couleur normale. Thank you.
Oh purée, il m'a bien eu. Ça c'est fait. Heureusement, il se doutait que le jeu allait être particulièrement dur parce qu'il refile les deux étoiles du matin dans le premier, dans l'avant-salle. Histoire de bien te faire comprendre que tu as tellement chié qu'ils ont été capables de prévoir le coup. Ah merde! Je reprends des coups, mais tellement gratuits là. Mais dégage, fous-moi la paix, saloperie de bestiole, je sais même pas ce que t'es. Non, saleté. Allez. Allez, et non. Il me reste un point de vie. Je vous aide un peu en rechargeant, mais... Allez, suivant. J'aime bien le boss qui est... Bon, je passe pas devant la fenêtre. Ah, merde, je crois qu'il y a quelqu'un. Allez, et un de moins. Et le boss suivant est une plaie. C'est une plaie, mais... Curieusement, Dracula... est énormément plus facile que lui. Enfin, qu'elle. C'est la mort. Voilà, là, 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 là.
Bon, s'il te plaît. D'autant plus que j'ai pas d'arme à distance pour l'allumer comme je veux. Pourtant, Dieu sait que ce serait pratique, là. Allez! Permets-moi de te toucher! Putain, tu vas nous faire combien de séquences comme ça? Y arrivera, y arrivera pas. Il y arrivera pas. Allez. C'est un combat long, mais pas surmontable. Allez. Voilà. Ouais, il va plus vouloir venir se faire toucher maintenant. Saleté. Raté. Allez. On l'a presque tué, c'est elle ou nous. Oui, parfaitement, je parle à la troisième personne. Et au nom de toi, public. Allez, on y va. Purée, elle est têtue, hein. La mort ne veut pas mourir. Ça serait bien pourtant, ça nous ferait nos affaires là. Allez. Ah, elle veut pas se laisser faire. Il lui reste 2 points de vie, mais elle veut pas se laisser toucher. Saleté.
Très vite. Oh, elle m'abat à 2 points de vie de la fin. Elle est pas gentille. Ouais, il va falloir y retourner. Hein. Troisième ou quatrième essai, là. Eh ben c'est bien parti, hein, on dirait. C'est tellement bien parti que j'ai réussi. Ah bah purée. Ça c'est fait. La mort éliminée. Tu la sens la tension qui t'arrive dans la gueule. Tu le sens le fait que tu vas devoir affronter Drac-Q. Tu le sens le passage secret de l'amour. Et voilà. Moi. Le foirage le plus total et le plus absurde. Je vous explique pourquoi je dis le foirage le plus total et le plus absurde. Parce que... De mémoire, voilà, il y a un escalier invisible. Là. Et je me suicide au deuxième. Eh ben allez, joie et bonne humeur les amis. Heureusement qu'il y a ce truc qui est super pratique pour tout refaire à chaque fois. Et en même temps, Dracula est une espèce de saloperie. Voilà. Ah bah dis donc, il a fallu 3 essais pour que j'y arrive. Ouais, nom de Dieu. Allez, on va affronter Drac-Q. C'est un peu cheap hein, quand même hein, son arrivée. Quand on sait les effets qu'était capable de faire la Super Nintendo. Et surtout, il fait mal, mais... Mais comme jamais, hein. Si j'étais moins con, je me servirais de mes boomerangs. Thank you.
Et il m'a tué avec la dernière boule de feu. Enfoiré, voilà. Allons-y. On reprend un coup. Le temps de se rappeler les patterns, c'est pratique. Hop, allez, on y retourne tranquille. Et on se le flingue. Allez, cette fois-ci, Dracula, il est pas content, il est colère, c'est le finish. On le voit, il a sorti les crocs. Alors vous allez me voir souvent faire pause. En fait, c'est une technique pour repérer où est-ce qu'il frappe. Mais je vais essayer de le faire pour une fois sans. Surtout que ça fait très très mal ces conneries. Et voilà. Et ainsi, Dracula meurt par la lumière du jour, c'est-à-dire que c'est même pas nous qui l'avons abattu, c'est la lumière du jour qui vient de le tuer. Tu te demandes pourquoi tu t'es fait chier pendant tout le jeu, vu qu'il est assez con pour rester visiblement près d'une fenêtre où il y a la lumière. Et voilà, on aura galéré, surtout sur ce foutu niveau des égouts, mais on s'en est sorti. Et la superbe image de fin avec notre héros sur le soleil couchant. Le château de Dracula s'effondrant sur lui-même qu'on ne reverra que dans quelques siècles encore, comme à chaque fois. Et donc je vais vous laisser le générique comme d'habitude.
Thank you.
Et voilà. Bien, ben voilà, encore un jeu de fini. J'espère que vous avez apprécié ce run un peu beaucoup foireux sur Super Castlevania 4. Je vous rappelle que PSU Odyssey TV est une chaîne communautaire. Le mardi, donc, vous me retrouverez comme d'habitude avec un nouveau jeu mardi prochain. Mercredi, nous retrouvons Ney avec Tomb Raider 1 sur Saturne japonaise. Ensuite viendra le vendredi Mr. Padak avec je ne sais pas quel jeu. Samedi viendra Karazushiro avec un nouveau jeu après son run sur Shadowheart qui était fini samedi dernier. Puis on retrouvera dimanche Millet avec un nouveau jeu elle aussi. Voilà, donc je vous dis à mardi prochain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Et on se reverra pour un nouveau jeu. Allez, à bientôt, bonne soirée, ciao !